Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Khadija Soudjohandao, je suis anglaise de CM2B à l'école des Flamboyants. Alors, ma grande Dior, avec vous, nous parlons de l'expression ce matin 6 juin que nous retrouvons souvent, très souvent dans les lettres administratives. Placé en tête de la phrase ou devant un nom sans article, 6 juin est invariable. Exemple, Khadija Tou. 6 juin, la documentation dont vous avez besoin. Mais attention, ma grande, il faudra bien noter avec 6 juin. 6 juin s'accorde avec le nom qu'il précède ou qui suit. La documentation 6 juin est nécessaire pour vos recherches. Donc, bien retenir avec 6 juin. Placé en tête de la phrase ou devant un nom sans article, 6 juin est invariable. 6 juin, la documentation dont vous avez besoin. Mais attention, 6 juin s'accorde avec le nom qu'il précède ou qu'il suit. La documentation 6 juin est nécessaire pour vos recherches. Merci beaucoup, ma grande, pour la précision et la rigueur. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue, le plaisir de vous servir. Nous sommes encore avec le même plaisir à l'école Flamboyant. Excellente journée, les amours. Merci à vous. Zéro Faute, le plaisir de la langue.